c'est la musique d'attente. Veuillez patienter. Va chercher Agra et bouge tes fesses et ramène-moi une pièce. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux toujours me follow. Si t'as des thunes à donner, tu peux même t'abonner. Ne rate aucun de mes streams. Télécharge donc l'extension sur Chrome, Firefox, choisis celle que tu veux et bouge ton boule sur ce son. Perds pas de temps, abonne-toi. Twitch Prime, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et si t'as pas bon, sache que je t'en veux pas. Fais juste péter un bitcoin. C'est la musique d'attente. Veuillez patienter. Va chercher Agra et bouge tes fesses et prépare un thé. Plus que quelques minutes avant de devoir réinsérer tes boules caisses. Pendant ce temps, peut-être que tu pourrais me ramener une pièce. Sais pas quoi faire, tu peux toujours me follow. Si t'as des thunes à donner, tu peux même t'abonner. Ne rate aucun de mes streams. Télécharge donc l'extension sur Chrome, Firefox, choisis celle que tu veux et bouge ton boule sur ce son. Ah bah, je croyais que vous étiez en train de dormir. Ne perds pas de temps, abonne-toi. Twitch Prime, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et si t'as pas bon, sache que je t'en veux pas. Fais juste péter un bitcoin. C'est la musique d'attente. Veuillez patienter. Va chercher Agra et bouge tes fesses et prépare un thé. Plus que quelques secondes avant de devoir réinsérer tes boules-caisses. Pendant ce temps, peut-être que tu pourrais me ramener une pièce. C'est la musique d'attente. Veuillez patienter. Va chercher Agra et bouge tes fesses et prépare un thé. Plus que quelques secondes avant de devoir réinsérer tes boules-caisses. Pendant ce temps, peut-être que tu pourrais me ramener. Ouais, bonjour, j'espère que vous allez bien, enfin heureux. Merci Yaya pour le raid de 8 personnes, merci, tu es fort aimable, tu es la plus grande des casse-couilles, qui est adorable et tout, t'es la meilleure, ah là 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 là, merci. Alors là,
je sais pas qui c'est ce petit pantin là, qui est ici présent devant moi, là, qui s'amuse à danser. Je savais pas que Kiss allait un gosse. Au secours, ah oui, quand même, ah oui, je suis mort de rire. L'intro d'Enfer, Enfer, ouais. Ah, c'est musique et casse-couille et tout, en vrai, c'est, je fais esprit et tout. Hein, donc voilà, donc là je sais pas, je crois que j'ai chopé un enfant sur la route. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire Kiss. Kiss. Donc on va faire, on va en profiter qu'il soit là et avoir une scène putain. Mais... Ouf, qu'est-ce que tu fais petit? Bah se danse, ça se voit pas. Ouf, oh oui, tu danses bien dis donc. T'es pas à l'école? Bah non, c'est pas à l'école, moi c'est une racaille. Oh t'es une racaille, ouf. Et vous c'est quoi ce que tu avais sur votre tête là, c'est des cheveux? Mais c'est des cheveux, pourquoi? Putain, c'est incroyable, on dirait carrément un truc de fou. Un truc de fou. Ouais, tu peux se tirer dessus? Toi, tu touches pas mes cheveux. Ah. Hors de question. Vous êtes pas très gentil, hein. Si. C'est où tes parents? C'est pas de parents, je vous ai dit, c'était une racaille, je suis dans les quartiers, moi. Oh, tu vis dans les quartiers? Ouais. Vous voulez voir que c'est une racaille? Oh, non, non, non. Regardez. Est-ce que vous avez un pistolet? Bah oh non, non, mais non, gâche pas tout, gâche pas tout, l'ami, gâche pas tout. Oh, ça va pas ou quoi? Mais de rigoler, c'est. Oui, moi, un pistolet à billes. Un pistolet à billes, oui. Je vous tire dessus pour vous faire montrer? Non, 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 allez, viens. Tu sais pas quoi faire? Je sais pas quoi faire, suis-moi. Oula, on va faire quoi? On va faire les boutiques, on va te rhabiller parce que. Ouf. On va faire les boutiques! Tu aurais dû être humoriste! Ouais! Oui, les boutiques, oui. On va t'acheter des vêtements parce que tu me fais pitié. Oh, mais moi, ça bien mes habits! Voilà! Bonsoir! Ah, salut toi! C'est quoi là, le gamin? Bah, c'est ma nouvelle meuf! Ah, d'accord! Non, 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 petit, voyons! Non, ah. je. Tu l'as attrapé quand? Bah, là, c'est les pesos! Là? Le PSO là, ouais, t'es c'est en fait. Rapide. Non, 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 tu vois, non, non, fait... c'est arrivé, j'ai fait ça. Petit. J'ai fait ça, hop, j'ai regardé en dessous, j'ai fait, oh ouais. Oh, ça va pas ou quoi, petit? Tu vas finir au fond d'un lac, toi? Tu veux dire avec nous? Ah non, tranquille, tranquille, vas-y, je allez, te laisse, t'as des trucs à faire avec elle. Non, toi, tu grimpes vas-y. À l'arrière, dépêche-toi. Vas-y, bon courage. Ok, oui. Ok, maman. Mais c'est sérieux ça? Staff, ouais, staff, ouais, à part qu'il a sorti un flingue quoi, mais ouais, voilà quoi, tu vois. Bon. Eh, tu sais pas conduire, maman? Alors écoute-moi bien, je suis pas ta mère, d'accord? J'aurais honte d'avoir un enfant comme ça. Pourquoi? Tu bosses? On va dire que oui, oulala. On va faire les magasins, dans les boutiques chic, bien entendu. La ceinture? Ouais. Ah, t'es plein de thunes, ça veut dire? Non. Si, oui. Non, oui. Yaya, vite, arrive, s'il te plaît. Aïe, yaya. Ah, vous avez vu, hein, c'est un petit live et tout là. T'es là, ta thune, du coup, ou pas? Mais comment ça se fait que tu traînes dans la rue, toi? Bah parce que moi c'est une racaille, je vous ai dit. Ah, t'es une racaille. Tu connais pas des gens qui sont riches par hasard? Bah si, oh. Moi. Ouf, on m'appelle. Oui, allouf. Allouf. Ah ouais, c'est bon, je t'entends, crie pas, bordel. Ouf, non, bah attends, il m'est arrivé quelque chose de fou encore. Ouais, t'es où? Bah toi t'es ouf. Devant un brick-pick de magasin. Ah mais ça te plaît pas. Ben je sais pas, je vais t'envoyer ça, ok? Oui, vas-y, ça marche. Bon petit, on va aller chercher ma soeur, d'accord? Ouais, ça va avoir deux meufs du coup, super. Oui, t'inquiète. Alors, écoute-moi bien, petit homme. Si tu veux avoir la chance de faire quelque chose dans ta vie, de rencontrer une femme et de faire quelque chose, je te conseille de surveiller ton langage. Sinon, je te la coupe. Ok, madame. MDR, ouais. MDR. C'est staff, hein, c'est un staff. Bah du coup, bah on va s'amuser, hein.
au cas où je m'appelle Kiss, pas maman, d'accord? Quoi? Kiss, je m'appelle Kiss. Ouf. Kiss ou ma Kiss? Non, non, c'est pas ça, c'est Kiss. C'est quoi? Oui, c'est Kiss. Tu commences déjà à me fatiguer. Ouais, j'espère, c'est mon but. Ah oui, ouf. C'est elle ta sœur? Oui, c'est ma sœur. Comment ça raconte? Attends, je vais aller la voir. Ouf. Comment tu vas, sœurette? Bah, ça. Oh! Oui. Salut! Je vais trouver sur la route. Trouver sur la route? Mais oui. T'as pas de parents? Tu veux être ma mère? C'est pas trop possible, ça, hein. J'ai vraiment pas la situation. Ah, tu parles à ma sœur? Bah, ma sœur, c'est différent. Non. Non, à toi, ça parle, parce que ta sœur, elle est méchante. C'est bon, elle m'a saoulé, elle. Ouf. Elle est là, elle me dit ouais, c'est bon, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Elle a cru que c'était ma mère, c'est bon. Je suis pas ta mère. Il m'a pris pour sa meuf, tu te rends compte ou quoi? Fais pas la malice, c'est dit. Oh, moi je suis un petit homme. Oh, je vais te le confisquer, moi, tu vas voir. Bon, allez, je m'en vais parce que vous êtes chiante. Ah oui. Pardon, je te permets pas, dis donc, tu vas la fesser? Ouais, vous êtes chiante. Allez, salut les filles. Bisous. Ouais, tu serais mon fils, tu serais, hein, ouf. Tu ferais quoi? Alors range ça, tu vas te faire mal. Mais non, c'est carrément tiré, moi. Mais t'as un téléphone ou pas? Et Minimus? Oh putain, j'ai pas envie de courir, moi. Ouais, non, c'est pas de numéro. C'est pas de téléphone. Ah oui. Pourquoi? Mais t'as quel âge? J'ai 10 ans. Oui, il joue bien, mais par contre, sortir son arme comme ça, voilà quoi. Bah comme ça, si t'as des problèmes, t'aurais pu nous appeler, tu vois. Ah oui, oui. Tu veux me pécho, c'est ça? Oh là là. Non, non, on va pas te pécho, non. Ça s'est vu dans ton regard, petite coquine. Quoi? Mais c'est sérieux? C'est pas possible. T'inquiète pas, Azur, quand je serai plus grand. Oui, quand tu seras plus grand. Pécho. Oui, quand tu seras plus grand, ouais. Pour l'instant, t'es petit. Je te ferai du sale, t'inquiète. Ah oui. Moi, je vais te faire du sale, tu vas voir, oui. Mais what? Ah ouais, c'est un bug. Bon, un peu sérieux. Attends, avant de partir, je vais faire un petit truc. Non, je m'appelle Maxime. Maxime, oui, voilà comme Maxime. Écoute, hop. Maxime. Hop. Non, tu regardes. Attends, il a déjà fait tout à l'heure, je vais regarder sur ma jupe, coquin. Ouais, ça regarde la marchandise. Oui, bah écoute-moi bien, Maxime. Tu veux potentiellement grandir, un de ces quatre? Ouais, mais je vais grandir, hein, oui. Comme tout le monde. Est-ce que tu connais des gens s'ils ont beaucoup d'argent en ville, tu vois? Ça peut être intéressant. C'est quoi, des hommes qui sourissent? Oui, des gens qui sourissent, tu pourras avoir plein de choses. Alors, j'en connais un, il s'appelle Sanso, il est trop riche. Et puis il vit où, Sanso? Il travaille au concessionnaire. Ah, il ressemble à quoi? Il ressemble à un trou du cul, mais ça c'est pas grave. Non, il est gentil, il a des cheveux blonds, avec une petite, des petites tresses là, bizarre. Et il a toujours une voiture blanche, une Mustang blanche. Il est riche, oh, vous verrez comment il est riche. Tu sais quoi, regarde, sors dans ton cartable un petit crayon là, tu sais quoi faire? Je vais te donner mon numéro, ça tu lui donnes. Attends, je vais noter. Oui, note-le, oui. Je vais prendre le téléphone de mon oncle, c'est son téléphone. Ah oui. 963-64-26. Attendez, je note. C'est pas trop écrire moi, faut pas aller trop vite. Pourquoi vous faites toujours ouf? Alors c'est Kiss. Kiss, oui. Kiss, ok. Et c'est quoi le numéro du coup? 963-64-26. Ok, c'est parfait, c'est enregistré. Dix voix Sanso, je lui donne. Oui, voilà. Et Sanso, il va te pesso parce que Sanso, c'est un saut lapin. Oui, bah ça on verra par contre, hein, d'accord? Dis pas de bêtises. Toi aussi tu veux pécho Sanso? Juste son argent. Voilà. Mais comment ça, juste son argent? Oui. On n'a pas envie de travailler, nous, on veut juste vivre bien. Quoi. Écoute-moi, donc, petit Maxime. S'il faut l'accompagner à quelque part. Attends, moi j'ai entendu ça, quand on fait ça, vous êtes pas des mistos? Je sais pas trop si on va dire ça comme non, ça. Non, on n'est pas des mistos. Ah. Mais pourquoi vous. Sinon. Bon, écoute, petit Maxime. Oui, oh, c'est bon, c'est rigolé, dernière fois. Écoute, nous, si on peut avoir de l'argent, et toi, tu auras aussi de l'argent. Tout le monde est gagnant, d'accord? Ah, tu me payes?
Enfin, le son de chaud. Ah, qu'est-ce t'as dit? Qu'est-ce t'as dit? Putain, qu'est-ce t'as dit? Écoute. Attends. Contente-toi. Ok, d'accord, ok. Je vous trouve des hommes. Rhys. Oui. Hop. Et dis, vous avez la thune, vous m'en donnez. Eh, Sancho, c'est lui! Oh putain, on a un Mac qui a 10 ans là, vraiment. Bah ouais. Oh. Salut Sancho, bah cours après, fais quelque chose. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Ouais, appelle-le. Je vais l'appeler. Oui, appelle-le. Oh putain, j'y crois pas. Il a 10 ans, il est en CM2. Putain, c'est pas son numéro. C'est pas le numéro de Sancho. Comme ça, t'as pas le numéro de Sancho. Avec tes petites jambes là, tu pourrais courir. Moi, j'ai pas courir avec mes talons, voyons. Mais t'as une voiture, on peut pas aller là où il travaille là? Ah oui, effectivement, oui, j'avais zappé. Ouais, t'es pas blonde pour rien. Mais t'as oublié une voiture, tu crois vraiment que tu vas la rattraper? Qu'est-ce qu'il a dit le petit Nabus? J'ai dit, oh, vous êtes belle, super belle. Oui. Bah ça je le savais déjà. Sancho! Ah oui, Sancho il va sur la lune à cette vitesse ou pas? Je vais le rattraper, je vous appelle. Allez, bisous. Je vois bien. Je me vois bien jouer une flic. Ah ouais? Pouf. Ouais, j'ai une maison aussi. J'en peux plus. Oui, j'ai trouvé une petite maison, mais... Non, sérieusement, il va vraiment nous trouver des hommes, là? Et qu'est pas ça? Oui, ça me chauffe. Et ah. On peut discuter ou pas? Ah, j'ai pas le temps, là, je vais au travail. Ouf. Pourquoi? Ah, je connais quelqu'un qui m'a dit que tu cherchais un peu de compagnie. Ah non, tranquillou, j'ai ce qu'il faut. Connard! Mais non, pourquoi tu l'as insulté? Il reviendra, ils y reviennent toujours. Mais non, mais là, pourquoi tu l'as insulté? Putain, t'es... Regarde. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? La dernière fois que j'ai fait ça, ça a marché. J'ai peur. Lol, recalé grave. T'as vu, regarde. Pourquoi tu lances ça comme ça aussi? Bah j'écoute, hein. La compagnie. Hier, il m'est arrivé des choses incroyables. Si, hey, qu'est pas ça? Bah, tu veux toujours pas discuter, Sancho? Et pourquoi? Je sais pas. Non, tranquille, j'ai pas besoin de compagnie. On va discuter là, elle est là. Si, toi, lui à côté, il est tout seul, il n'y a personne. Ah oui, il est pas riche. Si, il est riche aussi. Pourquoi? Et pour qui? Pourquoi vous demandez si on est riche d'ailleurs? Bah, je sais pas. Il y a un petit enfant qui nous a dit que vous étiez très riche, très gentil. Il s'appelle Maxime. Si, après, j'ai plein de pesos, si, pourquoi? Et Polka, tu veux combien? Ouf, ça dépend combien t'es. Non mais, vas-y, mais sois cash là, on cherche des mecs pour nous entretenir, point. Ah voilà. Ça va plus vite quoi. Entretenir quoi? Ouais, chevelure? Tout, chevelure, maquillage... On a pas envie de travailler, voilà, voilà. On a envie de vivre bien, d'accompagner s'il faut. Je m'en de rire. Voilà quoi. Voilà, sinon je peux vous faire travailler. Voilà quoi. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Parce que, hein, oui, attention à toi, oui. Alors je t'explique. Je ne veux pas travailler, c'est-à-dire je ne veux rien faire. Je veux pas me salir. Je veux strictement rien faire. Je veux qu'on m'entretienne. Si, mais tranquillou, eux ils vont t'entretenir là. Ouais, ils vont te mettre de la crème, tout ça quoi. Je parle pas de sens là, je vais me le faire moi-même. Ouais, la crème solaire, hein. Oui. Je vois ton regard de coquin. Ah bah s'il y a une grosse piscine... Ouf, oui, grosse piscine, j'avoue. Ah si, ça, après, ça dépend des clients. Ouais, ça dépend des clients. Les clients, ils ont des grosses piscines, il y en a, ils ont des plus petites. Hein. Oh, je t'explique. Je cherche juste de la compagnie, c'est pas pour faire n'importe quoi. Je veux juste de l'argent. Donc si t'arrives à me trouver ça... Mais ils vont te faire gagner de l'argent, t'inquiète. Ils vont te payer. Ah oui, en faisant quoi? Bah ça, après, tu vas travailler, tu vas te faire entretenir. Non mais faut trouver des mecs vieux, t'inquiète. Oui, des mecs vieux qui vont mourir comme ça, on a besoin de rien faire avec, on est tranquille.
Voilà. Vous avez, c'est ça votre objectif dans votre vie? Oui, c'est pas travailler, ouais. Oui. Oui, être riche. Oula, si, je pense que... Si, vous avez... et ça va pas ensemble, moi, là, ne pas travailler et être riche. Oh si, ça va très très bien ensemble. J'ai les atouts nécessaires. Si, oui, bah du coup, on va revenir aux grosses piscines, alors. Oh, tant que je suis dans une piscine et je fais rien, ça me va. Attends, on va se garer, non, peut-être. On va discuter, c'est bon. Oui. Niveau intelligence, hein. Ouf. Oh, mais non. C'est le bordel. Du coup, j'essaie de bien entretenir la chevelure, on n'a pas d'argent sans travail. Ouais, mais justement, on ne veut pas travailler. Ok. Et vous voulez faire trouver un homme riche? Est-ce plus qu'il y a un peu serette, parce que moi je vais employer des mots, je pense qu'ils vont être choqués. Oh, rien nous choque. Hein. Comment te dire ça? Alors déjà, être retenu, c'est pas qu'on va coucher à droite à gauche, déjà ça tu peux oublier déjà. Hein. Je suis pas une fille facile. Ah. Voilà. Ah oui, c'est ça que je pense que tu voulais dire, mais non, ça marche pas comme ça. Ah. Oui. J'ai vu ton regard de coquin. Et même si j'ai fait beaucoup de choses à Hawaï, mais là j'ai pas trop envie. Ok. Disons qu'on escorte, puis tu vois ça s'arrête là. Oh, vous escortez. Ah ouais, ok, vous le accompagnez, vous prenez son argent et vous partez, c'est ça? Oui, voilà. Non, on peut balancer quelques compliments, t'es voilà, beau, t'es magnifique, t'es plus fort, nana, tout, tatra là. Et ça s'arrête là? Ah oui, et puis même vous pouvez gagner, tu vois. Pas vous payer cher, hein. Ouais, vous allez gagner 2 dollars, quoi. 2 dollars? Non, il y a des personnes qui sont seules, je pense. Oui, qui ont besoin de... Ouais, peut-être, là, je sais pas. Imagine-toi. Non, imagine-toi, tu dois aller dans une soirée chic. Et tu dois être accompagné. Je t'accompagne. Quelqu'un pour vous. Je t'accompagne, tu me donnes de l'argent. Et bah, je me fais passer, entre guillemets, pour ta copine pendant une petite heure sans rien faire. Voilà, ni vu ni connu. Mais je vois pas le but de ça, en vrai. On a besoin d'avoir une copine pour être le... Je sais pas. Ah, pour faire genre devant les gens, ouais, j'ai une copine. C'est le but. Non, moi, perso, ça m'intéresse pas. Peut-être des gens, ça intéresse. Hein. J'ai peut-être un Ravière, là. Peut-être s'intéresser, lui. 20 ans, il a pas vu une femme. Ah, bah voilà. Ouais, mais lui, va vouloir vous... Voilà, quoi. Ah, bah, il peut toujours essayer. Il sera obligé. Ah, bah, il va pas essayer. Il va... Ah, oui. J'ai tout compris, au pire, c'est pas grave. Mais bon, bref, je lui donnerai votre numéro si vous avez un numéro et je le passe, hein, voilà. Oui. C'est quoi votre numéro? C'est quoi votre prénom? Kiss. Quoi? Kiss. Mais c'est pas un prénom, ça? Si, c'est un prénom, Kiss. Et là, tu te fous de ma gueule. C'est un surnom, ça. C'est vrai. Un surnom, un nom de code. Non, c'est Kiss. Non. Je viens d'Hawaï, je m'appelle Kiss. Ouais, bah Kiss. C'est quoi ton numéro? 963-6426. C'est perfecto. Hop. Voilà, bah c'est bon, je donnerai. Hein. Oui. Je ferai de la pub pour vous. Ah, oh, super, merci. Voilà. Moi, je suis riche, mais ça m'intéresse pas. Ah, si t'es riche, tu peux me donner un peu d'argent. Hein. Ça me dérange pas. Ouais. Non, mais toi, tu fais quelque chose en retour, toi. Hein. Non, du tout. Après, on peut servir autre chose aussi, vous savez. Quoi? Oui. Par exemple, non, mais arrête de faire ta... Voilà. Par exemple, imaginons, il y a un flic qui est en couple, vous voyez? Le truc. Si on arrive à lui donner rendez-vous, que là, il y a quelqu'un qui prend une photo, que ça puisse foutre la merde, qu'on puisse... Vous voyez le truc? C'est ouais, je vois. Quoi. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Fais attention à toi, Ravière. Je vais faire une photo... Ravière. Sancho, je vais faire une photo, je vais l'envoyer à ta femme, comme ça, je vais la pécho ta meuf, ok? Ta mère. il est flic? Non, il est pas flic, il a pas une tête de flic, c'est une tête de racaille. Ah, mais tu vois, on peut faire ce genre de choses là, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'as quelqu'un. Alors, je vous donne 1000 dollars avec... chacun, si vous attrapez ce mec là et vous le pécho, ok? Si. Ah, mais il a cru qu'on était des putes, quoi. Oui, c'est possible. Oui, t'as pas compris le principe d'une escorte, en fait, je pense.
Non, je rigole, je rigole. Ah bah moi je rigole pas trop. Quoi, vous voulez de l'argent? Oui, tout à fait, oui. Eh bien, allez, je vous donne de l'argent. Tu sais combien il va me donner? Il va nous donner 1$. Oui, oui. Je descends trop. 1000, ouh là là. Non mais en tout cas tu vois, je sais pas si t'as des gens que t'aimes pas, je sais pas ce que tu fais dans la vie pour avoir une jolie voiture comme ça, mais tu vois des photos compromettantes ça peut faire toujours plaisir. Oh, j'aime bien tout le monde. Quelqu'un une fois il a remporté 500 000$ avec une chérie avec une photo. Ah ouais? Ah oui. Bah disons que le maire de la ville, hein, quand tu le vois en compagnie de deux filles, je pense pas que sa femme apprécie. Ah bah ici il y a un gouverneur, hein, vous pouvez essayer de pêcher au gouverneur. Hein. Bah voilà, tu vois tu commences à m'intéresser. Moi, je pense pas que ta femme va être contente, mais. Marchandage. Ouais, bon, là, c'est du haut level par contre. Hein. Oh, il est souvent disponible. C'était quand qu'il est disponible, le gouverneur? Oh là là. Il y a 30 minutes par soir. Ouf. D'accord. Donc, vous avez fait 30 minutes pour le pécho. Alors, c'est pas pécho. Après, il faut des petits cachets, hein, parce qu'il est vieux, le gouverneur. Oui, mais non, t'as pas compris, toi non plus. Mais si, en fait, lui, il s'en fout de ce qu'il est vieux. Il veut pas coucher avec, il veut juste prendre sa thune. Voilà. Ah, mais le gouverneur, il va leur grimper dessus, c'est sûr. Bah, il est chaud, le gouverneur. S'il essaie de faire ça, ce sera une photo, puis ça s'appelle un viol, et puis on gagnera encore plus d'argent. Ah, mais attendez, si vous chauffez le gouverneur, vous l'excitez et appelez, bah, bien sûr, il va vouloir vous attraper. Alors, j'ai pas dit chauffer, exciter, je suis pas une prostitute. Ah. Escorte, cherche dans le dictionnaire escorte ou sur Google, tu vas voir. Ouais, mais moi, je sais pas trop c'est quoi. Salvador, il n'y a pas des trucs comme ça. Hein. Non, nous, Salvador, ils font ce qu'il y a à ce qu'on dit, c'est tout. Ouf, d'accord. Bon, alors, il va faire la vaisselle. Ah, pas faire la vaisselle, hein. Oh là là. Ils ont pas de la vaisselle, tu te rends compte, Sœurette, ils ont pas de la vaisselle, je crois pas. Ah. Bah, sont, par exemple, hop, ce et thématique, ouais. Je dis, va faire la manger, tu me fais à manger, et hop, tu te tais, c'est tout, comme ça. Ouf. Oui. Bon. Ah oui, d'accord. Oui. Si, c'est comme ça. Oui. Ici, c'est pas ça? Non, non, chez nous, c'est pas comme ça, nous. D'accord. Nous, on a des serviteurs chez nous. Serviteurs. Des quoi? Oui, des serviteurs. Et puis, c'est quoi? C'est des femmes qui servent? C'est des hommes. Je sens la petite cloche, il arrive. Voilà. Hein? Et évidemment. Hein? Des hommes qui servent des femmes? Oui. J'ai vu ça, moi. Ah, bah écoute. Tu veux être notre serviteur? Jamais de la vie. Je verrais bien le petit avec une petite cloche. Ouais, bah je vais te la mettre dans où je pense la cloche, tu vas voir. Attention à ce que tu dis, ça n'a pas le sens inverse. Mais la vie, je serai serviteur, c'est vous qui allez me faire à manger. Allez, hop, 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 dans la cuisine. Tu crois que ça marche? Je sais pas. Après, je peux, j'ai le moyen de vous faire parler, hein. C'est possible de faire à manger, mais après, tu seras pas ce qu'il y a vraiment dedans. Oh, attention à toi. C'est pas grave, vous allez goûter avant. Bon bref, je te retourner. Je vais retourner dans mon pays. Allez, oui. Bisous. Oui. Oh là là. Oh, oui. Ça va être plus compliqué que je le pensais. En effet, ouais. Ah, ça veut pas jouer le jeu, c'est dur. C'est dur quand même, je trouve. Hein. Direct les gens, c'est. Vas-y, par quoi, je mets une cartouche quoi, il pense qu'à ça quoi. T'as dit quoi? J'ai dit la vaisselle est plus con encore. Oui, non mais fou. J'aurais bien avec une le ménage. Non mais ils sont tarés ou quoi? Bon. Je vais te faire montrer où j'habite. Ok. C'est où les gens? Ah oui, hier il m'arrivait des trucs. Ouf. J'ai failli finir entre deux mecs. Ouf. Oui, bon, ça m'étonne pas trop, hein. Oui, mais à chaque fois que je tombe, sur des policiers, ça commence à m'agacer. Bah, ils ont de l'argent. Non, ils ont pas d'argent, c'est ça le pire. Bah, si tu sais pas faire. Si, je sais faire beaucoup de chasse. Faudrait que je trouve des gens qui aiment pas les policiers, tu vois. Hier, j'essayais d'attraper Kofi, mais je crois qu'il veut pas me parler, Kofi. Oh. Pourquoi tu t'acharnes sur des personnes qui ont pas d'argent? Je comprends pas, tu perds ton temps. Oui. Mais écoute.
écoute, hein, j'ai plus rien si j'ai envie de me faire ramener, moi. Hein. Ah. J'ai mis à l'agent immobilier aussi. Ouf, il y avait du monde. Faudra que je retente un plan comme à Hawaï, là. Ouf, ça pourrait être bien. Ça fait longtemps. T'étais pas au courant, ça. Ta vie sexuelle, je m'en contre-cœur. Ça te va bien, ce rôle-là, t'es sérieux? T'as filé combien, toi? 500$. Ah ouais, j'avais cru 1000, mais 500, ça va, c'est bien, juste pour parler. Ouais. Top. La fois, j'ai dû twerk aux Bahamas, j'ai eu 2500. Ah ouais, non, moi, je me respecte, tu vois. Oui. Ça aurait été au moins 10 000. Je sais pas, faut qu'on trouve une combine, faut trouver quelque chose. C'est chaud à faire, j'ai l'impression. En fait, les gens, ils ont du mal à... t'as l'impression, en fait, qu'ils... voilà, ils... ils veulent une fille, ça y est, en fait, tu vois, c'est... mais moi, faut que je fasse gaffe à ce que je fais, parce que c'est un peu tendax. Vivement le nouveau serveur. Ouais, bah écoute, on l'attend avec impatience, tu vois, Nova, on l'attend avec impatience. Malheureusement, ça met un petit peu de temps, pas se mentir. Alors viens voir, tu vas voir, c'est fouf. J'espère vous kiffer. Bon, t'as vu un peu Tatoune commencer, hein? Je suis certain, tu dois être mort de rire là. Les gens me voient différemment, je crois. Waouh, hein, mais... la vie. Hein, mais vous inquiétez pas, je suis pas de ce bord là. Hein. Oui, ouf. Regarde-moi ça. Oh là là. Oh oui. J'adore. T'imagines la petite fête qu'on pourrait faire ici? Comment? Oh! Quoi? Eh ben voilà! Je t'écoute! Crémanière. Oui. Homme. Ouf. Argent. Oui. Et let's go. Oh là là, bah attends, enquête. Par contre, il faut inviter que les hommes. Oui. Je pense qu'on peut se servir aussi de certaines personnes que j'ai rencontrées, ça peut être marrant. De petits chinois. Tu veux t'en servir dans quel sens? Dans le sens que... eux aussi, ils veulent de l'argent et pas que de l'argent, je pense. Comment ça? Je pense qu'ils sont pas très dans le droit chemin, si tu vois ce que je veux dire. Ah, par contre, moi, c'est hors de question que je trempe là-dedans. Oui, mais nous, on va pas tromper, mais... si on peut avoir de l'argent en contrepartie... je crois qu'il faut que tu sonnes. Yo, t'es sur quel serveur? J'adore. T'adores Tatoune? Bah, c'est bien tombé. Alors, je suis sur quel serveur? Je suis sur un FA. Je vais te mettre le Discord directement dans le chat. Tu vois, je vais te mettre le Discord directement. Tu vois, donc comme ça, ça sera plus simple pour toi. Voici le Discord, cher ami. Ouvrir. Donc voilà, tu vois. T'adores Tatoune, mais c'est tombé en tout cas. Ouf! Ah, d'accord. Excusez. Je fais de la merde. Donc voilà. Je t'ai mis le Discord, du coup, cher ami. Comme ça, au moins, c'est carré pour toi. Allez, où? Elle est où? Elle est où, Yaya? Ouf, ah, je t'avais perdu. Allez, viens, regarde. J'ai une absence, ouais. Ouais. C'est luxueux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, j'ai faim. Ouf, bah mange. Par contre, fais attention à ce que tu manges quand même, surveille ta ligne, parce que t'as un popotin, ouf. Qu'est-ce que j'adore l'emmerder! C'est énorme! Quoi ça? Eh bah, je sais pas, mais. C'est fait pour. J'aime bien quand ça plaque.
Ouf, ah oui. Yaya. T'entends, tu t'attoules. Oh là là. Bon, regarde. Je te fais un peu visiter tout. Ouais. Oh putain de merde. Regarde-moi ce dressing. Désolé, ça me reprend là quand je suis excitée, je suis désolée. Ah oui, ouf. Oui. Le cri qu'elle a fait. Ah ouais. Oh. Eh ben. Tu vas te remettre ou pas? J'ai pensé avoir des serviteurs, tu sais, super bien musclés, huilés. Ouh là là. Ouf. T'imagines? Ouh là 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 là. Avec des petits slips bien moulants. Ouf. Ah non, pas de slip. Ah non. Non, non. Des slips? Mais non. Bah, ils mettent rien, c'est plus simple. Ouf. Regarde-moi ça. Il y a tellement de place ici. La douche. Oh. Non, la baignoire est pas assez grande. Oui, mais la douche, elle est tellement grande. Oh là là. Je me vois bien. Ouf, je dis plus rien. Tu rentres étrangement bien dans le corps de ton perso. Ouf, qu'est-ce que tu fais? J'ai glissé. Tu veux que je prenne une douche avec toi ou quoi? Non, mais je suis oublié. En fait, je me suis un peu entraîné, tu vois. Ouf, ouf. Bon, allez, viens. Vous allez faire une coloc. Ouais. Regarde le lit. Comment il est grand. Ouf. Attends, j'ai un peu mal au ventre. Attends. Comment ça, t'as mal au ventre? Je t'avais dit de faire attention à ce que tu mâches. Ouf, ok. Et je sens qu'elle va faire des clips de ouf. En tout cas, j'espère que vous kiffez. Je pense que là, Tatoune a d'autres morts de rire. Hein. Même tout le monde, Lutini, tout le monde, là, j'espère que vous kiffez. Regarde, et ça, j'ai fait installer ça, ça peut être bien. Regarde ici. Je me vois bien faire du yoga. Ouf. Oh là là, regarde. Du yoga. Ouf. Oula. J'ouvre mes chakras. Que les chakras qui sont ouverts. Ouf, un cercle est un cercle. Ouf. Attends, moi aussi je vais les ouvrir. On va les ouvrir tous les deux. Ouf tes chakras. Ouf tes chakras. Ah bah là joue à fond là. Ouf. Après tu récupères, on va ouvrir nos chakras ensemble. Tu vas voir, ça va être marrant. Grave, vous êtes trop énorme. Trouve pas que je... ah ouais. Bon, récupère un peu, tu me dis quand t'as récupéré. Il faut qu'on soit synchro pour ouvrir nos chakras. Là, je suis en train ouvre pas trop. Allez, ouais. C'est à moitié ouvert, on va dire. C'est encore un peu serré. Oh, je sens que je vais mourir. Bah, enlève tes talons aussi. Attends, je suis perdu. Comment on fait pour enlever les talons? C'est là. Allez, viens, ma petite moule, viens. Oui, ma petite moule adorée. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Ouf. Oh, ça s'ouvre bien là. Ah oui. Ah, c'est bon. Ouf. Ouf. Ah, je vois le ing et le hang. Ouf.
suis au sommet du paradis. Oh putain, je suis trop ouverte. Oh là là, c'est bon. Oh là, je me suis jamais autant étendue. Ah, ah je crois que mes chakras sont très bien ouvertes. T'imagines, j'étais au 7ème sol, sans personne. Ouf. Ah, quand on faisait du yoga. Oh, oh putain. Eh, j'ai une barre au ventre là, je vous promets. Je vais avoir des abdos. Oh putain. Oh là là. Ah, ça fait du bien, hein. Oh oui. Oh, j'en peux plus. Eh, j'ai trop mal. Je suis pas bien, là. Ouais, oh, franchement, ça fait mal, là. Oh, putain. C'est Yaya, mais j'en peux plus, là. J'en peux plus. Bon. Qu'est-ce que tu fais, corps? Je prends des photos, tu sais bien. Je fais un tour sur Twitter. Les sapologues sont en ville. Attends. Ouf. Le yoga m'a décoiffé. Oh là là. Comment je fais pour prendre une photo? Attends, je vais faire ça. Ah, je suis pas doué. Hein. Oh là là, il y a même les selfies. Ah ouais, mais c'est énorme. Bon. Est-ce que tu veux faire un tour au casino pour tenter ta chance ou pas? Ouais. Ouh, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu t'entraînes? Ouais. Ouf, t'as pas tort. Si je sais faire encore. Attends. Youhou. Attends, c'est quoi? Danse. Attends, c'est quoi la danse? Comment ça va? Tu désires de la compagnie? Ça va. C'est quoi la danse là, merde? Danse sexy. J'ai un entraînement encore à faire, mais bon. Oui, attends. Et toi, montre-moi. Oui. Ce que tu sais faire. C'est quoi la danse là? C'est mollo quand même. Ah, danse sexe. On va voir si j'ai rien perdu. Alors là, let's go, baby. Oh là là. Je t'ai dit mollo, putain, Kiss, mollo. J'ai pas de temps. Non. Oh, ouf. Tu désires de la compagnie, ouf. Je sens que cette histoire va mal finir. Allez, viens, on y va. C'est bon, viens. Ouh là là, regarde, ouh là, j'ai rien perdu, regarde. Attends, regarde. Ça, je me suis bien entraîné, ça par contre. Popo la popo. Popo. Ouh là 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 là! Bon, faut que j'arrête parce qu'après je vais toute chose et tout et je vais prendre le premier venu. Ouais, en fait, je me demande quand est-ce que tu ne l'es pas. Oh là là! Ah, oh, mais là, on fait ça parce qu'on est que nous deux. Hein. Inscris-toi avec Dancester. Alors, mais... Tu vois, parce qu'il n'y a que nous, là, tu vois, tu sais, je me vois pas faire le fou comme ça non plus, comme un gros dingue, tu vois. Vraiment, parce que là, il n'y a que nous deux. Tu vois, faire les bruitages et tout ce qui s'ensuit, on me délire. Je sais pas si je peux te prêter les clés, je sais pas comment on fait. Moi, je conduis pas, moi. Non, mais pas ça. Ah, de quoi? La maison.
Ah bon, on verra plus tard. Ah bah attends, regarde. Alors, prêté. Oh bien, je peux inviter qui je veux là. Oui. La fiesta, bébé. Oui, ouf. Attends, j'ai oublié. Attends. Je sais pas si je peux faire ça aussi. Clé. Propriété. Garage, j'ai pas de garage. Ah, je peux pas. Je sais pas si je vais te les prêter ou je sais pas ce que ça va faire ça. Essaye de vouloir. Non. Mais non. Ouais. En fait, parce que en fait, je peux pas donner les clés de la voiture, je crois vraiment. Non, mais c'est bien. On joue un rôle qui nous sort de l'ordinaire. Ouais, mais après, tu vois, Lutini, il y a des choses que tu ne peux pas trop faire, tu vois. Moi, hier, tu vois, j'ai vraiment chauffé un peu des gens, tu vois, tu sais. Mais, tu vois, il faut être soft, en fait. Parce que moi, perso, moi, je m'en fous, je suis un mec derrière l'écran, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, j'ai une bêtise, tu vois, Yaya... Tu vas habiller comme ça ? Oui. Yaya fera pas... Je vois pas Yaya faire ce genre de choses-là, tu vois, c'est logique, tu vois. N'importe quelle femme, tu vois, tu sais, enfin... Parce que les gens, voilà, à partir du moment qu'ils vont savoir qu'il y a une personne derrière l'écran, si c'est un mec, bon, ils vont jouer le jeu, il y en a qui vont pas jouer, mais si c'est une femme, ça, ça va direct catégoriser. Et puis même moi, vu que je suis en train de faire ce RP, il faut que je me contrôle quand même, parce qu'après ça donne une mauvaise image des femmes, tu vois. Tu vois. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent sur le chat en disant « Ouais, tu nous fais passer pour je sais pas quoi, machin, non, tu vois. » Donc c'est pour ça, il faut vraiment que je fasse mes minimum attention, en fin de compte. C'est pour ça, il faut que je reste qu'avec Yaya, comme ça au moins... Y'a pas de problème quoi, parce que Yaya a à se contrôler quoi. Mais moi quand je suis parti dans la connerie, c'est ça le problème, c'est que une fois que je suis parti quoi. Tu as des pervers aussi. Ouais bah tu as tout. Tu sais tout type de personnes malheureusement sur les serveurs. Et sur les serveurs Free Access, tu as souvent des enfants. Donc il y a aussi cette problématique, tu vois. Parce qu'on expliquait Yaya la dernière fois, et c'est vrai qu'elle a tout à fait raison quoi. Parce que moi je tiens pas à recevoir un MP d'une personne, ouais machin, ceci tu m'as tapé dans l'œil ou quoi. Alors là, laisse tomber, je suis Alt F4 et je me casse. Hein. En tout cas, faut que je me contrôle un petit peu parce que faut que je contrôle mes pulsions parce que oh là là. Oui, je crois aussi, oui. Mais c'est vrai que c'est un RP qui sort de l'ordinaire, qui est fun quand. Tu vois, qui est fun, hein, pas se mentir, qui est drôle quand même, tu vois. Parce que le but c'est de faire rire et tout ce qui s'ensuit, quoi. Bah, puis il y a Babar sur le serveur, il y a Pierrot, il y a Clément, il y a Flynn aussi. Quand on les a rencontrés, franchement, on a bien rigolé, j'ai tapé des barres avec eux, honnêtement, hein, tu vois. Mais le but vraiment c'est de faire rire. Ouais, mais tu sais, avec les normalement, tu vois, Lutini, tu refais le monde avec des normalement, je sais pas te mentir. Bon, pourvu que hier j'ai gagné des jetons, j'espère gagner de l'argent, mais je pense que je pourrais pas jouer, c'est pas grave. Ah là là. Après, le but c'est de s'amuser, le but du roleplay c'est de s'amuser, vraiment en fait. Vraiment, vraiment quoi. Après, faut toujours penser qu'il y a une personne derrière l'écran, c'est ça aussi qui est important. Vas-y, sœurette, tourne la roue, tourne, sois riche et célèbre. Ah, vas-y, toi la première, vas-y. Je crois que je vais pas pouvoir tourner la roue, moi. Oui, mon prochain ticket est dans 8 heures. Ah, ça, Lutini, hein, malheureusement, hein. C'est le monde d'aujourd'hui. T'as gagné quoi? Une
dollars. Ouf, voilà. Bon, j'ai fait pour rien, quoi. Bon, tu veux qu'on fasse quoi, du shopping? Elle est dégueulasse, cette caisse. Oui, et je voudrais bien la gagner pour la vendre. Ça se vend pas, ça? Oh, tout ouf. Tout se vend, tout. Ça va la casse, ça. Si je monte dedans, ça vaudra deux fois plus cher. Ah, la sortie, là. Eh, salut! Pouf, ah, tiens. Il est encore là, lui. Bon. Si, encore là, pourquoi? Petit Maxime, le truc que tu m'as donné tout à l'heure, hein, c'était pas trop ça. Hein. Ah, pourquoi? Oui. Monsieur, il voulait plus que je finisse sur une banquette à l'arrière qu'autre chose. Ah bah si vous voulez de l'argent, faut finir sur la banquette arrière. Hein. Non. Je me respecte. C'est sûr? Oui. Et pourquoi vous ne travaillez pas à l'unicorne? À l'unicorne? Pour faire quoi? Bah vous faites des danses et puis les gens ils vous payent. Ah oui. Ouais, mais on va danser, ça fait transpirer ça. Oh. Oui, tu vois, oui. Moi, je transpire que d'une autre manière, pas en dansant comme ça, tu vois. En faisant du yoga, par exemple. Ouais, exactement. Tu ouvres les chakras. Hey, tu fais bonjour, moi, je m'appelle Kiss. Oh, tu m'appelais un dévergondé pour ton âge, toi. Hop, comme ça, hop, les gens, ils donnent hop, des 15-20 000 dollars. Hop, t'es riche. Ah oui. 15-20 000 dollars, quand même? Oh. Ouais, la danse, ouais. T'es sûr de ça? Ouais, c'est sûr. Sûr? Ouais, les shows privés, ça coûte cher. Hein. Show privé, c'est-à-dire? Eh ben, tu vas dans une pièce avec eux, tu fais des danses sexy, quoi. Tu pousses ton popotin. Oui. Et après, il se passe quoi? Mais tu te passes rien, c'est juste tu danses, et après, hop, ils payent. T'es sûr de ça? Ah oui, il va pas te tousser, hein. Bah, vaut mieux pas. Pourquoi? Je peux être féroce. Ah, t'es une tigresse? Ouh. Oui. Ah, tu. Non, la tigresse, il fait pas gros. Il fait. Tu sais pas le faire. Non, on dirait un chat. On ronde. C'est plus mignon, les chats. Bon. Hein? Wouf. Non plus, tu m'as pris pour un chien ou quoi? Tu crois que je vais faire wouf? Non, mais. Non, mais moi, je fais ça. Bon. La petite raquette des quartiers là. Ouais, dis-moi. Comment tu veux qu'on danse à l'unicorne si tous les bars sont toujours fermés? Eh ben, tu vas voir le gouvernement, tu fais un dossier pour reprendre l'unicorne et hop, t'es toi la patronne. Non. Ça marche pas comme ça. Ah. Non. Pourquoi tu dis non? Tu crois vraiment que j'ai une tête à faire des paperasses? Faut qu'on trouve des gens alors. À réfléchir. Ouais. Et toi, tu t'appelles comment? Anaya. Anaya et Kiss. Oui. Mais Kiss, c'est pas un prénom. Si, c'est un prénom. Non. Si. Tu regarderas sur internet, tu verras bien. C'est pas internet, c'est pas de téléphone. T'avais quoi tout à l'heure dans tes mains? C'est le téléphone de mon oncle. Mm-hmm. C'est pas l'utiliser. Oui. Par contre, t'es un petit malin, toi, hein. Tu viendras jamais à l'unicorne, hein. C'était trop jeune. Mais si, c'est vrai. Eh. Non. Ça ramènerait mes. J'ai des oncles, ils sont riches. T'as des oncles qui sont riches. Ouais. La capitaine! Sauf que je fais gaffe à l'heure. Pourquoi t'as pas commencé par ça? Commence par le plus intéressant, voyons. Bah oui. Ah. Il est chiant le gosse. Ouais. Sont... ça. C'est un staff. Ils sont mariés, tes oncles? Non, ils sont tous célibataires. Ah oui. Oh là là. Ah. Et après, ce problème, c'est que c'est des Mexicains. Et du coup, bah, voilà, la femme, elle ferme sa bouche et elle écoute, c'est tout. Ouais, mais... Oh, décidément. Oui, il n'y a que ça ici. Oh là là. Ah ouais. Par chez nous, tu vois, petit enfant. On vient d'Hawaï, on a des serviteurs. On leur met une petite cloche, on sonne la cloche et ils viennent, tu vois. Comme les vases quand ils vont faire la transhumance, quoi. Ah, mais non, t'inquiète, ils sont musclés, huilés. Oula. Ouf. Ouf. Non, ouf. 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 Et toi, ouf. T'as pas de petite copine à ton âge?
Bah, pourquoi vous voulez me pécho? Non. Ah. Moi aussi, moi, j'ai plein de femmes. Ah oui, oulala. Après, ça dépend si t'as de l'argent. Ouf. Ouais, c'est de l'argent. Tu veux me pécho? T'as combien? Actuellement, là, j'ai 150 000 sur mon compte. Comment ça? Écoute-moi, petit garçon. Tu vas avoir ouais. une mission très particulière. Mais c'est comme il est trop mignon, ce petit garçon. Il est pas cassé tout en plus. Oui, oulala. Il a croqué, oulala. Et oh, vous me faites peur, là, mesdames. Il va être choqué, là. T'es trop mignon, toi. Ouf. Oui, il se danse pour vous. Tu te sens pas bien là hein. Ouais, t'as vu qu'on inverse les rôles, ça fait bizarre hein. Si, je me sens bien, moi voilà. C'est pas peur hein. T'as pas peur? Non, c'est pas peur. J'aurais peur de quoi? Ah, on sait jamais hein. Attention, je vais faire un malaise. Hop. Il fait quelque chose de bizarre hein. T'inquiète pas, tu peux rien voir moi. Faut mettre une culotte, madame. T'inquiète pas, j'ai mis une culotte. Non, parce que tout à l'heure, elle a fait du yoga, elle a ouvert ses chakras, elle a tout ouvert, tu vois. Tu vois. Oui, voilà. C'était bien ouvert. Ouf. Il est cassé, il est mort, ça y est. Ah, tu comprendras plus tard, tu verras. J'ai l'impression qu'on t'a perdu, d'un coup. Oh non, ça respire, c'est tout. Ah ouais. C'était sûr. C'était sûr. Ah ouais. Eh ben, t'as vu. Est-ce que... Quand on fait le malin... En fait, non, en fait, la dernière fois, j'ai vu une femme et... Quand ça regardait en dessous, elle bavait. Elle bavait, ouf, c'est que t'étais mal entretenu, ça. Ah ouais, bah j'espère que vous bavez pas comme ça, hein. Ouh, non, moi, c'est très bien entretenu. Bon, ça suffit. On fait une révision assez régulièrement, donc ah, oui. Ah, ça peut être mécano, hein. Non. C'est plombier aussi, je peux changer la chaudière. Ah oui, la chaudière, elle chauffe, là. Ah, quoi si, ça en a besoin, ouais. Bon, c'est pas que ça, mais... Oui, non, bah, revenons aux choses principales, petit enfant, d'accord? Ok. Peut-être ouais, quand tu sais, d'argent. T'as 10 ans, non, quand tu vas grandir, quand tu seras à l'âge, peut-être que tu auras le droit à une petite danse, mais... Parce que je serai quand dans un bon état. Écoute-moi. Ben, faut se conserver, hein. Oui, oui, t'inquiète pas, je me conserve très très longtemps. Moi et ma sœur, on se conserve, tu vois. Tu peux pas t'imaginer. Encore, on a encore une troisième sœur, mais elle est pas encore là. Ouf. T'imagines, hein? Bon. Ouais, j'imagine bien là, avec les trois là, ouais. T'imagines pas trop loin par contre. Oh, j'imagine juste on est dans les jacuzzi. Oui, oui, oui. Ah, oui. Et puis avec des bulles et puis du champagne. Oui, ouf. Ah oui. Intéressant. Vous avez acheté, hein, parce que moi j'achète pas le champagne. Merci, t'achètes tout puis tu mets la petite cloche. Bah oui. On fait Maxime, champagne, s'il te plaît. Là, et vous avez cru que c'était une vase? Non, non, non. Il faudra que tu te muscles un petit peu parce que là, ouf, c'est pas intéressant. Il y en a moins. Je te soulève hein, quand tu veux. Ah oui, c'est plus moi qui va te soulever, oui. Ok, bon, bah allez. Bon, non, bon, sinon. Alors, tu parles de licorne. Ouais. Tu crois que j'ai que ça qu'à faire de faire un dossier, tout ce qui s'ensuit là. Et si je fais ça, toi, ton but est de trouver plein de gens pour qu'ils viennent avec plein d'argent. Et c'est payé? T'auras le droit de rentrer dans l'unicorne, ça serait déjà pas mal, non? Mais en fait, vous êtes des radines, c'est ça? Ouais, t'as tout compris. Vous êtes des pinces. Des quoi? Des pinces. Des quoi? Des pinces. Des quoi? Des pinces. Oh, tous les deux, c'est bon, là! T'as pris pour un crabe ou quoi? Non, pour une... Pour un homard. Un homard, Bon. Ouais, de toute façon, quand t'as regardé sous ta cible, j'avais des fruits de mer, donc, hein. De quoi? Hein? C'est... Non, de toute façon, ça n'a rien dit. Allez, c'est une bonne moule bien fraîche. Bon, ça suffit. Quoi? Ah, putain, c'est mauvais. Vous êtes bizarre un peu. Non, bon, écoute-moi bien. Vous faites peur. Oui, alors, dossier ton truc et tout. J'ai je mets juste mon nom, mon prénom, c'est bon ou pas? Ben non. Ben faut attendre qu'il y ait... Attends, mais attends, l'unicorne, c'est même pas s'il y a un patron. Il y a un patron à l'unicorne, c'est quoi? Je sais pas, tu sais tout. Bah non, c'est pas tout, c'est un enfant. Ah et bah non, je crois qu'il y en a pas de patron en plus. D'accord. Il y avait une patronne, mais elle est partie. Ouf. Allez, c'est le moment, les filles, là. Je veux s'en partir. Ouais, oui, je sais ce que tu veux, ton petit coquin. Tu veux quoi? Oui, oui. Mais il nous faut de l'argent pour avancer dans ce projet-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si t'as de l'argent en trop, à ton âge, tu vas pas t'en servir pour faire grand-chose, hein. Si, je dois m'acheter une moto. Oui,
bah t'as 150 000, tu nous donnes 50 000, c'est suffisant, hein. Bah non, ça donne pas mon argent comme ça. Moi je vais être le patron, vas-y viens Nova, vas-y viens. Je vous connais pas. Écoute, ça sera un bon investissement, crois-moi. Ouais, ça c'est ce que tu me dis, hein. Ça tombe, tu vas aller faire n'importe quoi avec les 50 000, mais tu non, vas pas investir. Non. Écoute-moi bien, t'es prêt à me donner 50 000 ou pas? Non. Ou aussi, tu vas donner 50 000. Oh non! Moi aussi! Oh non! Imagine quand tu seras plus grand. Regarde. Ouf! Non, oh, qui putain. S'arrête, c'est un enfant? Qui s'arrête? Bon, alors, allez, 20 000. Mais c'est pas d'argent en fait, je vous ai menti. En tout cas, c'était une belle danse, j'ai bien vu ton popotin. Oh oui, bordel! 20 000, allez hop, dépêche-toi. Mais c'est... Ok, ça donne de l'argent, mais c'est pas 20 000. Bon, donne ce que t'as, dépêche-toi. Vas-y, je regarde, vas-y, Nova. Ah. Seulement. Et puis à ma soeur aussi, bien entendu. Mais c'est plus d'argent, là. Tu te débrouilles. Oh non, le pauvre, qui s'arrête. Ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans ses yeux que c'est un petit malin. Il est plus malin que moi, en plus. Ouais, moi, je pense que je vais pécho ta soeur, parce que toi, t'es trop, tu me taxes trop. Elle me taxe oui. pas. Elle taxe encore pire. Non. Qu'on se marie. Pas un enfant quand même, qui tu vas trop loin. Oui, c'est bon, c'est... oui. Bon, excuse-moi, Maxime, voilà. Ouais, tu peux te pécho ou pas, toi? T'es un enfant, voyons, réfléchis. Bah oui. C'est pas grave. Je t'aurais bien donné une sucette, mais j'en ai pas sur moi, tu vois. Oh oui. Bah moi. Attention ouais, ce que tu vas dire. Moi, je peux t'en donner une de sucette. Ah oui, vraiment? Non, je suis allergique, désolé. Oui. Bon, Maxime. T'as mon numéro ouais. ou pas? Oui, je lui ai donné, c'est vrai. Attendez, au pire, je reviens. Vous restez là? Bah, dépêche-toi, j'ai ouais, pas de temps. Ouais, on va juste aller dehors. Oui, c'est parce que là, je suis un peu ouf. J'ai cercé ma voiture. Ah. C'est sérieux? Comment ça, une voiture à ton âge? T'as une voiture ouais, à ton âge? Ouais, c'est voilà mon oncle. Ils arrivent, hein? Oui. Vous êtes pas? Oui, allez, zou. Putain, c'est un enfant quand même, retiens-toi, merde! C'est un enfant pour ce qu'il veut, c'est moi qui te le dis. Ah, d'accord, mais bon, t'imagines si ça se trouve son petit argent de poche, tu lui as tout pris. J'ai vu tout à l'heure, elle a sorti une grosse liasse. Ah, ouais, mais tu c'est penses pas pour choper alors. Oui. Tu penses l'unicorne, ça peut être une bonne idée? Y'a moyen de moyenner, pourquoi pas? Y'a moyen de moyenner d'activer des petits contacts, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. Ouf! Je garde des contacts, ah ouais, ça peut être utile. Non mais qu'on se met d'accord, moi je vais pas là-bas pour travailler. Moi je donne des ordres, tu vois. Ah moi aussi. Fais ça. Quoique ça me dérange pas faire une petite danse par-ci par-là. Je sais pas. A ton avis, ça vaut le coup de danser pour 20 000 dollars? Ça me fait peur. Écoute, est-ce qu'on a mieux pour l'instant? Si on est obligé de se rabaisser à ce point-là pour de l'argent, voilà. Mais tu sais que j'aime bien faire la folle, mais je pense que je vais me masquer tout ce qui s'en suit. Hein. C'est jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, franchement, tu sais quoi? Je pense que c'est même une très très bonne idée de mettre un masque. Oui. Ouais. D'accord. Ouais, il faut vraiment que tu caches ta beauté, parce que sinon ils vont tous tomber tous amoureux. Oh, oui. Ça va être l'enfer, tu comprends. Toi, il va falloir que tu caches ton gros fessier aussi, hein, parce qu'ils vont tous tomber par terre. Ah oui! Ah oui! Ah oui, il est riche ton oncle, hein, dis donc! Eh ben si! Il est riche! Vas-y, ma super voiture! Oui! Oh là là! Ça, c'est pas la plus belle, hein! C'est pas la plus belle? Non, c'est une décapotable! Une Bentley! Ouf! Ton oncle a pas une voiture arabe à me prêter? Ah bah non, bah si tu voles déjà! Tu peux lui voler, il m'a donné. Eh, t'as vu, c'est mes nouvelles meufs. Oh, attention à ce que tu dis. Bonsoir. Ouais. Bah oui, plutôt bonjour à ça. Oui, ouf. Je suis en décalage horaire. Mm-hmm. Ouais, on n'est pas ces meufs, hein. On l'a trouvé sur la route. Il y a un truc dans l'oreille. Tu vois, c'est avec les cheveux blonds là. Elle me taille de l'argent tout le temps. Et là, elle est gentille, je vais la pécho. La vie, je bouge, je vais faire. Je casse. Vas-y, ça marche. Ouais, Marie. Ça marche. Ça marche, là-bas.
Là, il dit des bêtises, faut pas l'écouter. Bah, c'est une raquette, moi je veux la foutre dans un coffre dans le lac de Saint-Michel. Comment ça? Non, 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 il dit des bêtises. Ouais, bah, elle, tu peux, ah, le, tu ouais, peux mais... la soper, mais elle, non, c'est ma meuf. Ouais, t'inquiète, je la laisserai celle-ci, mais la blonde là, faut pas raqueter les enfants. Hein. Je raquette pas les enfants. C'est lui qui me donne. Bah, sachant c'est que lui qui en plus, ça, c'est. C'est lui qui s'allonge. Ouais, enfin, c'est pour mon regarder. Fils, si, si ah, bah, lui il me dit qu'il se fait raquette, enfin. Non, 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 c'est lui qui regarde la sur ma jupe. La dame, elle va finir dans le lac de Sandichard. Ah, si, 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 si. Oh, non, 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 non. Ah, je le connais très bien, c'est mon fils. Ah oui, mais il me regarde sur ma jupe. C'est normal, ça? Ça m'étonnerait. Le connaissant, oh, si. Ça m'étonnerait. Oh, non, en fait, j'ai pas fait esprit, j'ai glissé, maman, et hop, ça regardait sous la jupe, et c'était pas ouf, hein. Cordon bleu gluant? Non, escalope de dinde fraise. Ah, ça, c'est ce que tu penses, petit. Ah, merde. De toute façon, tu peux me défendre, hein, regarde. Hop, regarde, hop, si elle m'embête, sors ça et pas par moi. Pourquoi tous vous tous à sortir ça là? Bon. Mmh. Bon plaisir, du coup, Maxime. Ah, vous voulez plus rester avec moi? Bah non, vu que tu dis des bêtises. Non, mais c'est bon, je rigolais. Vu c'est que ta bon, mère veut me mettre dans un lac, j'ai pas trop envie. Et bah, c'est bien les lacs, tu fais une piscine comme une piscine. Non, il y a des petites bêtes et tout à l'intérieur. Ouf. Ah mais c'est là-bas qu'on trouve les morues, donc généralement c'est bon. Ah oui, vous avez l'habitude d'y aller on dirait. Ah non, je parle pour vous du coup. Ouais. À partir du moment où on raquette un enfant, je pense que... Je ne l'ai pas raquetté avec votre enfant. Bah pourtant c'est... il m'a appelé, il m'a dit c'est maman, bon, t'énerve pas, maman. Y a deux gonzesses qui veulent mes thunes, je sais pas quoi. Non, 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 non. Faut dire la vérité Maxime. Donc... C'est pas bien de mentir. Ok, la vérité. La vérité, c'est qu'ils servent des hommes riches. Ah, c'est des michetos. Des quoi? Ils ne sont pas des michetos. Des michetos. Non, ils servent des hommes riches, comme ça, ils ne veulent pas travailler. Ouais, c'est parce que je dis, c'est des michetoneuses. Non, 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 non. Peu importe, on s'en fout, on est ce qu'on est. On s'en tape de la vie des autres. Oui. Bon, on y va, se arrête. Ouais, je crois que c'est mieux. Oui. Allez, bisous. Oui. Allez. Bisous, bisous. Toi, t'es gentil, hein. Allez, salut les morues. Quoi, les morues? Apprends-toi à t'habiller déjà pour commencer, bien entendu. Ah, les jalousies, hein. On n'a pas fini. Oh oui. La jalousie, hein. C'est un vilain défaut. En plus, ta vieux l'a mis un cuir tout dégueulasse. Ouf! Ah, mais je pense qu'il se fait pas assez ramonner, c'est tout. Ah oui. On va pas savoir ce que c'est le 7ème ciel. Oh là là. Ah là là. Elle a gardé son. Ouais, non, tu vois, c'est encore un staff, ça, tu vois, je suis pas le contraire, tu vois. Après, là, je peux pas. Là, je peux pas me mettre en mode digne, tu vois, sauvage. Parce qu'elle m'aurait dit ça, j'aurais mis l'arme sur la tête, j'aurais fait vas-y, tu montes dans la voiture, tu casses pas la tête, je t'emmène dans un endroit, tu vas voir qui c'est, tu vois. Là, je peux pas. Bon, du coup, moi, je sais plus trop quoi faire, là. Moi, j'aimerais bien passer à la banque, tu vois, proposer mon argent. Ah oui, c'est ça. Faut que tu fasses une carte à la banque, oui, faut que tu fasses une carte. Après, ce qui est dommage, c'est que le, tu vois, c'est un staff, il fait le rôle de l'enfant, c'est bien, c'est marrant. Mais tu te ramènes pas en voiture, puis avec une arme à la main, tu vois. Non, c'est pas ici, faut que tu fasses une carte là-bas au guichet. Bon, monsieur là, fais-lui de l'œil aussi. Je sais pas si ça va y arriver. J'y arrive pas. Parce qu'il faut qu'elle fasse œuf pour. Je sais pas si. Je pense qu'elle doit y arriver. C'est... Merci. Surtout, t'as retenu le code et tout? De quoi? Non, il m'a juste donné la carte. Ah, t'as pas retenu le code?
quel code? Bon bah il se fait ta carte. Ah ouais, ouais. Bon, hier, heureusement que j'ai retenu, tu vois. Et le feu rouge, ouais, le feu rouge. Ah, par contre, c'est la conduite, tu vois. La conduite, tu vois, je conduis en mode vraiment gangster. En fait, j'ai toujours conduit en mode comme ça, en fait. Tu vois, c'est en mode, vas-y, je trace, je m'en fous des feux et tout. Alors que, normalement, non. Tu vois. Ah, je crois que c'est bon. Vas-y. Mais ouais, Nova, tu vois. C'est où qu'on peut retirer? Normalement, t'as tout l'argent sur toi déjà de base, non? Ouais, retirer, poser, on peut? Oui, l'argent que t'as sur toi, tu peux le déposer, oui. Bah, là, tu peux pas. Ah, t'as fait ta carte, il te l'a donné et tout, c'est bon? Oui! Bah, tu fais. Bah, tu vois, comment te dire ça? Là, au guichet, tu vois, regarde, il y a le petit truc halt. Je sais pas si elle va comprendre. Je vais envoyer AMP, aïe aïe aïe, pour lui dire. Tu fais alt. Ensuite, clic gauche. Tu y arrives? Au début, moi j'ai galéré aussi avec la carte en fait. Vu que tu conduis mal, ça va bien avec ton RP, fin bon. Ah, bah c'est que t'as peut-être pas eu ta carte en fait alors. C'est pour ça, ça m'est éclatré en flic. Ah ouais? C'est éclatré? Merci, Captain, hein, pour mes excuses. Enfoiré. Ouais, Nova, ça t'intéresse et tout, vas-y, hein, tu vois. Si tu veux, je t'envoie le Discord et tout. Je sais pas si j'ai un dossier unicorn dans mon ordi. J'ai tellement de dossiers de plein de choses que. Faut que je regarde. Parce qu'en vrai, la flemme de refaire un dossier. Je prends un dossier que j'ai, je modifie le nom et tout, et basta quoi. Mais il faut qu'il y ait du monde aussi, il faut qu'il y ait du monde. Parce qu'il y a 150 personnes, t'imagines, ouais. Il faut qu'il y ait du monde. À voir. Ah, mon café est froid. Vu que j'ai pas fini, putain, je suis. C'est à voir quoi. Mais ça peut être marrant, ouais. Ah, pour la carte, c'est un peu emmerdant, ouais. Pour ça, faut je vais prendre rendez-vous parce que là, ça m'agace. D'accord. Bah, dans tous les cas, t'as l'argent sur toi. Oh, il pleut. Ouf. Non, recommence pas. Ouh là 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 là. Tu m'agaces. Je suis pas ton chauffeur, s'arrête. Je l'ai déjà dit. Non, tu te fous. Moi, tu veux qu'on fasse les boutiques ou pas? Ouais. Déjà, je sais pas où il est l'unicorn. Je sais pas quoi il ressemble en plus. Tu veux qu'on regarde? On en discutera posément. Oui. On fait les boutiques, on a ouvert nos chakras, on fait les boutiques. Ah oui, ils sont bien ouverts les chakras, je suis mal à refermer, tiens. Faut pas trop. Par
Pardon ? Oui, ça reste toujours ouvert, c'est pas fermé. Hein. Non, ça va, tout est ouvert, tout est... Let's go, quoi. Ah oui, oui, laisse tomber, on pourra rentrer un TGV, quoi. Quelle ville? Bah, merde, c'est Los Santos en fait, ville américaine. Wow, attention. Oui, oui, j'étais ouf. On va aller à une boutique chic. Tu vas voir, ils font des trucs, des sacs Dior, mais exceptionnels et tout. Ouf. Ah. J'en ai marre de cette voiture, il me faut une voiture plus luxueuse avec un chauffeur. C'est magnifique. C'est pour nous, ça, c'est pour les riches. Ouais, il manque juste le petit tapis rouge là. Oh oui, ouf. Ah, c'est vous déjà, c'est ici? Bravo! J'aime pas que tu sois derrière Kiss, tu sais. Oh oui! Je le sais, hein! C'est toi là! J'ai ça qui est une dinguerie. J'ai ça qui est une dinguerie, tu vois. Je sens que la voiture va partir en fou rire. Non, alors reste là, tu vois, c'est tant qu'on la vole pas, tu sais. Alors, vêtements. T'imagines, on devrait faire quoi comme tenue pour l'unicorne à ton avis? J'ai envie de rigoler. Ça dépend pour quoi faire. Bah, je sais pas, moi. Tu sais jamais, toi. Tu commences toujours quelque chose et tu sais jamais. Oui, ouf. Moi, j'aime bien quand le plaisir est long et ça s'arrête jamais, tu sais. Là, je suis certain, Yaya, elle est morte de rire. Ta chatte. Ouf, s'il y a que ça que je pourrais calmer, ça m'arrangerait. Tu pourrais calmer ta chatte, Candy. Oh mais non. Sacré Yaya. Mais j'espère vous passer une bonne après-midi, les enfants. Les enfants, enfin, tout le monde, sauf. Ah, t'as vu, hein, t'as tout... Je l'ai fait, le RP, là, hein, tu vois, enfin... Franchement, laisse tomber. Pour l'instant, ça va, j'ai pas encore eu de soucis ni rien et tout. J'ai pas eu de message désagréable, on va dire. On sait jamais avec les gens. C'est veste, peut-être, non, du coup. Ouf, je me vois même balader comme ça, qu'est-ce que ça me pense. Paf, paf, paf. Moi, je sais pas les vêtements, moi je connais rien. Moi. Perso. Ah, c'est peut-être pas dans ça. Non, c'est pas dans ça. Le genre de robe, je sais pas quoi là. Dans le gilet, peut-être. Non, c'est pas dans le gilet. Bah, si, c'était dans veste. T-shirt. Non, c'est pas t-shirt. Bah, c'est dans quoi alors? Veste obligé. Mais pourquoi ça met ça là? C'est quoi la serveur?
Putain, je te balance le lien, mon petit Nova. Ah, si tu veux faire un truc avec nous, fais un perso qui vient d'Hawaï, tu vois, tu sais. Au pire, si tu veux, fais t'amuser avec nous. Mais je vais mettre ça, mais... Oh ouais, je mets ça ou pas? Ouais, j'ai envie de faire un délire. Mais... Ah merde, c'est le O en fait qui me dérange, là. Ah, mais c'est 15 qu'il faut mettre, je suis con. 14. Ça fait trop... Pas assez comme ça. Je dis après. Oui. Salut Dean, salut Urflam, tu vas bien la miss? Ah merde, putain. Oh, yeah, comme... Ah ouais, yeah, elle a pas le temps. Après c'est bas. Ah mais non, j'ai fait bras moi. Putain merde. Pantalon plutôt. Ça va toi? Ouais, ça va, ça va, ça va, tranquille la miss. Tranquillement. Oh, c'est chiant les habits à chercher, putain. Non, ça va pas ça. Vous faites quoi? Bah écoute, on fait les boutiques et tout, tu vois, avec Yaya, là, tu vois, on s'amuse, on continue le RP qu'on est en train de faire, le RP de foufou là. Tu vois. Non, c'est un live là, parce que moi demain. Enfin demain soir, putain je suis con. Ce soir je serai là, je pense assez tard en fait, c'est ce qui me fait un peu chier. Et puis il y a des personnes qui voulaient voir un peu le RP qu'on faisait, donc du coup voilà, on l'a lancé quoi. Lancé le live, j'ai lancé le live plutôt. J'achète plein de tenues et tout, je note rien comme vêtements et tout, ça va être un bordel quoi. Ah putain, j'ai des trous. J'ai pas fait gaffe, il y a des trous au niveau des bras, putain. Merde. Salut Yaya. Yes, bouge ton gros cul s'il te plaît. Je sais pas si elle est sur le live en même temps Yaya. Je crois, je suis pas sûr. Elle te dira celui après, je pense, tu vois. Au pire, je transmettrai le message. Yaya, ah, l'habitude des habits, tu vois, de ce garmo, regarde, on dirait... Bon, perso, on dirait que j'ai pris c'est les restes des habits qui restent dans l'armoire et j'ai mis comme ça, pouf, c'est parti, emballé, c'est pesé, quoi. J'espère que ça vous plaît tous. Hein. Elle les trouve où tous ces hauts là? Moi je les vois pas, ces hauts qu'elle a là. Je passe à côté en vrai ou quoi?
Je pense que je passe à côté. Je dois pas les voir. Putain, tu trouves des jolis hauts. Moi, j'arrive pas à trouver tout ça. Faudrait que tu m'expliques comment tu fais. Ah bah, tu vois, Kiss. Comment te dire ça? Au lieu d'ouvrir ses chakras... Oui. J'ai fait juste d'ouvrir ses yeux. Ah oui. Bah, faudrait que... Ouf. Le mec, il s'est fait péter, il s'envoyait en l'air. Oh, c'est moi, quoi. Bah, il faudra que je regarde plus attentivement alors. Parce que, regarde, moi je me suis habillé comme ça. Ouf. Bah, oui, on est encore là, donc c'est que. Ça me plaît. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. T'as tourné aussi, t'es encore là, ça va. Ah, tu. Alors, j'imagine, je vous imagine bien tous. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh là là. Bah, tu sais quoi, moi c'est rapide, c'est efficace, hein. On perdra pas de temps. J'allais dire quoi? Je pense que je vais être dans votre canapé en train de taper des barres. Et vraiment, c'est pas mal, quoi. Ouh, la ficelle. Pouf. Oh là là. Oui, t'inquiète, je suis à fond. Ah ouais, à ce point-là. Putain. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe à l'heure, quand même, quoi. Parce qu'il faut que je mange et tout, ici. Là, je grignote depuis tout à l'heure. Mais en vrai, je pensais pas que ce RP-là m'aurait fait autant rigoler, quoi. Car Yaya avait raison, c'est des bonnes idées. Hein. Yaya, Clément, Babar et tout, bah, franchement, ils ont des bonnes idées. Hein. Même toi, Tatoun. Elle dit, ouais, vas-y, fais un truc comme ça et tout. Ouais. Là, franchement, là, j'ai dépassé les choses. Là. Je me suis surpassé. Là. Dans quelle connerie je me suis lancé. Bonjour, toi. Bonjour, Cyclope. Comment tu vas, Cyclope? Ça va, c'est Kiss. Ouh, coquin. Ça va, Cyclope. Dans mon lit, je fais ma finesse et me dis... Ah ouais! Putain. Vous êtes une bonne équipe, tous deux. Ah ouais, non mais... Tu sais, Tatoun... Depuis le temps que je fais du RP... Tu sais, ça fait un bout de temps que je fais du RP. Et puis que j'ai rencontré Yaya, et puis je fais du RP avec, tu vois. Franchement, j'arrive pas à faire autre chose. Parce qu'on a tellement, tu sais, la connerie à nous deux, que ça passe direct, en fait, tu vois. Ça passe direct, tu vois. Au début, quand elle est arrivée chez les Bloods, bah c'est passé direct. Après, qu'on a fait le RP, qu'on a fait. J'ai fait l'inspecteur et elle a été mère de famille. On était en couple et tout sur le RP. Mais c'était des barres, tu vois. Je sais pas si elle t'a fait montrer des clips, des engueulades qu'on avait et tout, tu vois. Mais franchement, voilà. Mais on a toujours eu ce truc-là en mode connerie et en mode, voilà, on se taille et tout à chaque fois. C'est drôle, en fait. Mais c'est vrai qu'on fait une bonne équipe. Tu sais qu'à un moment donné, bah je sais pas si les corps là, Captain. Il disait, en fait, il avait l'impression de suivre une série, en fait, quand il regardait nos épisodes. C'est quand il nous regardait RP, je te promets, tu vois. Je te jure. Les gens, ils t'en ai qui disaient, ouais, c'est limite, c'est des feux de l'amour ou des trucs comme ça. C'était une série, quoi, en fait. C'était un carnage. Tu vois. Les gens, ils kiffaient le RP qu'on faisait à s'engueuler et tout. Enfin, parce qu'en fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Tu vois. À savoir qui c'est qui va avoir le dernier mot, tu vois. Mais vu qu'on est têtu l'un comme l'autre, c'est énorme, tu vois. Mais c'est vrai que franchement, je m'éclate en vrai. Je m'éclate. Hein. Je dis honnêtement, je m'éclate quoi. Encore là, tu vois, là. C'est rien, tu vois. Parce que moi, je suis dans mon perso, tu vois. Mais il faut que je trouve des autres manières et tout, tu vois, pour mon personnage. Pour que ça soit encore les choses un peu plus. Comment dire. Réalise dans le RP, on va dire. Mais après, t'as aussi les gens qui se greffent, tu vois. Par exemple, des babards, des Nova et tout. Ils sont aussi dans la connerie. Quand tu mets tous ces équipes-là ensemble, ah mais laisse tomber, c'est un sketch. Hein. Franchement, c'est un sketch. Grave, je suis trop fan de vous, c'est vrai. Tu veux un autographe ou pas? Bon, j'ai de la route à faire, j'ai 7 heures, tu vois, c'est une route à faire, mais bon, tu vois. Ah là là. Mais en tout cas, si vous kiffez, c'est bien. Mais après, on a des personnes, bon, tu vois. C'est simple. Oui, c'est où là? C'est même simple, ouf. T'es dans un rouge ou quoi? Non, pourquoi? Mais c'est la première fois que je te vois aussi habillé.
Bah parce que pour l'instant j'ai trouvé personne qui mérite à ce que je me change quoi. Ouf. Regarde mon petit nombril. Ouf. Ah. Quoi? Regarde mon petit nombril. Ouh, t'as mis quoi? T'as vu, c'est joli, hein? Ouh, mais moi j'ai pas trouvé. Oh là là, je suis jalouse. Il faut que je te montre, mais ça on prendra le temps, t'inquiète. D'accord. T'as même pas pris de sac à main? Il y en a ici. Mais je pense, voyons, oh là là. Oh, ça va, hein. L'autre mourut, c'est limite. Ouais, mais après. Tu sais, il y a des choses qu'il faut, des fois, faut pas relever, hein, tu vois. Tu vois, moi, je pars toujours de ce principe-là. Les gens qui sont dans ce mode-là, moi, je relève pas. Et les gens, je vais pas leur proposer de scène, tu vois. C'est, je, tu vois, c'est direct, tu vois. Je bataille pas, moi. Avant, je bataillais, maintenant, tu vois, tu sais. Après, si ça va trop loin, tu vois. C'est moi, rien n'empêche la personne, tu vois, ça va trop loin. Tac, je vais sur le Discord, c'est un problème et je vais l'attraper, hein, tu vois. C'est content ou pas content, j'en ai rien à péter, moi, tu vois. Après la personne là elle a de la chance que tu vois je suis dans un RP comme ça, je suis dans un RP gang. Ma parole. Elle aurait déjà une balle dans la tête. Mais sur ça aussi il faut que je me contrôle parce que je peux pas m'énerver comme je suis en gang en fait. Mon perso est une femme donc faut que ça soit différent. Clairement en fait. Parce que là elle aurait été comme ça, j'aurais fait écoute boy, tu montes dans la caisse, tu fermes ta gueule. C'est moi qui pose les questions. Voilà, elle aurait fait eh. Tu vois. Le gamin, j'aurais suspendu au-dessus d'un pont. Et voilà, tu vois. Mais là, je suis pas dans ce move-là, en fait. C'est ça qui est dur. Ok, il y a plusieurs RP. Ouais, ouais, bah moi, il y a plusieurs RP. Moi, j'en ai fait beaucoup de RP. J'ai fait plusieurs types de RP, tu vois. Mais ouais, t'as des gens, ils ont différents RP, tu vois. Bah, t'as les gangs, t'as les EMS, t'as les Speedy, t'as les ceux qui sont dans le gouvernement, t'as les gens qui sont dans les entreprises. Ce qui est dommage, par exemple, sur ce serve, j'ai pas vu de SDF, un RP SDF, tu vois, c'est, bon, après, faut savoir le jouer et tout, mais c'est intéressant, par exemple. Quand même, les RP qu'on fait ailleurs, moi, je trouve ça c'est intéressant, ça rajoute quelque chose de différent, tu vois. Après, bien entendu, peu importe le RP que tu fais, faut que les gens jouent le jeu, en fait. S'ils jouent pas le jeu, bah, tu vas être face à un mur. Et, bon, là, tu te fais chier, clairement. Tu vois. Ouf. Bah, voilà, ça te va bien, ça. Même la démarche, faudrait peut-être que je change la démarche. C'est la démarche en mode un peu plus pétasse, tu vois. Façon de parler, bien entendu. Je dis pas ça méchamment, attention, je dis pas ça méchamment. Ça, c'est tout ce que je dis, ce n'est pas méchamment. Moi, j'ai un grand respect pour les femmes et tout. Bon. Tu veux faire quoi, Sorette? Est-ce qu'il y aurait un coiffeur de dispo, tu crois? Ouf, je sais pas, au pire, il y a un bénisse d'ouvert, on peut demander s'il y a un coiffeur dans le coin, je sais pas, je pense pas, mais bon. Ah, ça par exemple, ça je faisais toujours, ça faut pas que je fasse ça. Ah, moi je suis à fond sur le détail, les gars. Que ça... Parfait! Un coiffeur, je sais pas s'il y a un coiffeur de dispo, mais bon. On peut aller vers un coiffeur et savoir s'il y a quelqu'un de disponible. Ou de quoi faire. Attends, et du coup, vous faites quoi, les coquines là? Pas vraiment, tu vois. Ah, fou. La peinture. Alors, on va dire que. Tu as passé ton. Non, j'ai pas passé mon permis, non. Je le ferais peut-être, non, ouais. On fout le permis. Disons qu'on veut avoir de l'argent sans travailler et tout, un peu en mode escorte, tu vois, tu sais, mais dans le raisonnable et tout, tu vois. Ouf. Est-ce qu'il va repartir? Ah, j'attends, les gars. Ah ouais. Oh, oh super. Oh, il fait nuit. Ouf.
faire. Là-bas. Je lui ai dit tout à l'heure. Ah ouais, mais le permis, voilà quand même. Ouf, je crois qu'il y a quoi faire peut-être. Casino déjà fait pas. Ouais, ouais, déjà fait casino, ouais. Ah merde, putain, j'ai pas vu. C'est fermé, mais. Je sais pas s'il y a quelqu'un. J'ai appelé, mais. Ah putain. Tu peux appeler toi pour voir ce que ça te dit. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît. À ce point-là? Comment ça, je t'ouvre la porte? Non, 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 non. Je suis pas ton serviteur, ta serviteuse. Allez. Tu te fous de moi? Non. Je te jure, Yaya, si tu me fais ouvrir la porte pour rien, ça va mal aller. Ok. Ouais. Ah là, y a un bug. Ça te dit quoi? Ah, mais ça... Faut attendre, quoi. Ouf, j'ai pas envie d'attendre, moi. Après, les tares, ils ont peut-être fermé aussi. Je pense, oui. Ouf. Ah ouais. Fais chier, merde. Le seul problème, c'est que c'est géré par des joueurs, c'est un peu chiant, en fait. T'es obligé d'attendre bêtement, là. Je sais pas s'il y a un truc sur Twitter. Bon, t'as réfléchi comment on pouvait faire la crémaillère? Salut Choupi! Ça vaut quoi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah oui, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça va et vous? Ouais, ça va, ça va. Je crois qu'il y a là des petits soucis, non? Tu fais quoi? Je sais pas, il est où le coiffeur? Ouf, je vais fumer une cigarette, tiens. Kiss? Oui. T'as rien mis sous ta veste? Si, 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 juste mon sautif, pourquoi? Ah, bordel. Bah quoi? Fait chaud. Non, par contre, non, les chaussures ça va pas être possible. La chaussure. Oui, bah écoute, hein, tu sais qu'à Hawaï je m'habillais pas trop donc du coup hein, j'ai plus trop l'habitude. Là-dessus il faut mettre des petites bottines, tu vois, des bottes, limite. Non, parce que bah tu m'expliqueras, hein, parce que oulala. Ouais. Tu sais que moi j'aime bien mettre des choses qui s'enlèvent rapidement. Donc si le joueur. Le coiffeur ne joue pas, c'est fermé. Ouais, c'est fermé, ouais. Mais t'as les serveurs, c'est ouvert, tu vois. Mais c'est ça le problème, quoi. Ce que je trouve un peu dommage, moi. Tiens. Oh, maintenant. Oh, merci. Ouf, fais-en une et puis tu me donnes le reste. Ouf. T'as pas de briquet, donc tu pourras pas fumer. Tiens, patate. Merci. Merde.
pareil, je te donnais les deux briquets, oh là là. Très généreuse, hein. Oui. Si tu peux me redonner un ouf, merci. Je prends un screen. Oh là là. Ça va, Dean et Yaya me font pleurer de rire. Ah, tu m'étonnes. Yaya fumé. On aura tout vu. Ah, Yaya fume. Je suis fatigué déjà. Ouf, moi aussi. C'est compliqué de faire les boutiques. Ouf. Ah, bah peut-être le coiffeur, tiens. Ça serait bien. Mesdames, bonjour. Bonsoir, vous êtes coiffeur? Ah, pas du tout, moi je suis l'agent 22. Ouf, elle est speedy du coup, oh là là. Et c'est ça, tout à fait. Si. Pourquoi tu dis bonsoir quand il fait beau et. Décalage horaire, décalage horaire. C'est compliqué, hein. C'est décalage horaire, tu sais. T'es quand là, Nova, ou pas? T'as réussi à te quoi ou pas? Là, faut que je me rase, putain, merde. C'est, j'ai l'impression que c'est un peu des feignants par ici, hein. Oh oui. Oh là là. Pour faire ça, je devrais racheter la boîte et faire travailler les gens, là là. Chômage, $50. Ah ouais, tu joues $50, quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait avoir le coiffeur, hein. Vraiment pas. J'ai pas pris à boire, putain, j'ai la flemme. Alors après, j'ai soif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va dire? Alors là, on a le coiffeur. Oh, ça fait chier, quoi. Bon. Oui. C'est quoi le projet là? On fait quoi? Ouh là là. Bah, écoute, moi je voulais un coiffeur et tout, mais y a pas. Ah. Tu veux qu'on fasse un tour au Bénise? Tu veux voir des gens, c'est ça? T'as envie de te faire ramener? Alors moi, je suis pas toi, tu vois? Hein? Je me doute. Je sais pas comment tu fais pour devenir comme ça. Je me réserve. Oh là là. Tu te réserves pour qui? Ah oui. Pour l'élu qui a un gros paquet de fric, bien sûr. Ah oui. Oh là là. Je suis certain que je le connais, cet élu. Oh là là. Encore un con. Moi je me réserve pour tout. Gros paquet de fric, grande maison. Oh là là, tout en grand. Ouf. J'aurais dû faire mannequin. Ah oui, ouais, j'allais te le dire. Ouf, ou actrice, je sais pas. Ah oui, actrice, ouais, dans certains films, je te verrais bien. La connasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est affectif. Hein. Oh, rien. Plus. Ah. Oh là là. Faudrait que tu tentes quand même. Hein. Oh oui. Là, je repense à ce que j'ai fait à Hawaï, oh là là, ce plan-là, il était magnifique, ouf. Je n'ai jamais parlé. Vas-y, lâche-toi, je suis tout ouïe. Oh là là, trois filles, trois mecs. Rentre pas dans les détails, s'il te plaît. Oh là là, la chambre d'hôtel, elle a pris cher, là là. Je crois qu'ils ont mis une semaine à tout nettoyer. Ah, pourquoi ils sont pas gérés, ils en ont foutu partout, quoi. Ah bah, ça pour en mettre partout, ils en ont mis partout. Bah oui, y'a fume, oui. Oh putain. Ah. Bon. Oh putain, on va arrêter les conneries sur ça. Hein. Bon. Désolé, mais voilà. Quoi? C'est bon? Ah, de quoi? T'as fini de fumer ou pas? Comment ça, désolé, mais voilà. Non, parce que je chante. Ouais.
Allez. Ah là là. Je pense qu'on peut faire là. Ah putain. Je sais pas s'ils nous volent leur SSCO. J'ai pas eu tout. Ouh, j'ai eu un malaise. Ah oui. Oh oui. T'es enceinte? Ah non. C'est pour ça, on ne sait jamais hein. Oh non, y'a pas de risque hein. Moi je veux pas de ces petits morveux là qui chient partout, qui puent là, Berk. Ouf. Ah oui. Expédition. Faut les entretenir en plus, oh là là. Oh putain, on est méchants. En plus ça pleure tout le temps. Ouais, mais je savais ça, oh là là. Ouais, un peu comme toi quoi. Ouf, attention à ce que tu dis, moi je pleure pas. Je pleure seulement d'une certaine manière pour une chose bien précise. Ouf. Oui, oui, t'aimes bien le violon aussi, hein. De quoi? T'aimes bien le violon aussi. Ah, j'aime beaucoup de choses. Arrête, y'a. Oh bordel. T'as plus mal au cul, c'est bon? Non, c'est calmé. T'as passé la petite pommade? Ah, je vais la défoncer, arrête! Elle me cherche! Si tu pouvais arrêter de faire traîner tes pots de vaseline. Hein. Oui, mais je mets pas de vaseline, c'est très bien. Je préfère à sec. Ah, ouais. C'est tout toi. Oh oui. Premier passage, je fais mal. Je vais arrêter. On va arrêter parce que. Si jamais il y a des oreilles mal intentionnées, tu vois ce que je veux dire? Arrête! Chaleur ou quoi? Attends, fais-moi ce arrête s'il te plaît. Arrête. C'est quoi ça, Vargos? Vagos? Balas Vagos? C'est quoi ça? C'est une marque de ce préservatif? Je pense que ça doit être une marque de pneu, tu vois. Oh oui. Bien, ça dit que c'est ouvert, mais. Ah oui, ouf! Ouh! Ah oui! Oh, mal fréquenté si je n'aurais plus. Oh là là! Eh ben, moi j'ai peut-être une idée, tu vois. Ouf, je t'écoute! Je te touche, ouf! Je pense qu'on va attendre un peu, mais s'il faut, tu sais quoi, on prend l'avion, quoi. Oui! Moi j'ai besoin de vivre, tu vois, j'ai besoin d'un peu de piment, de paillettes dans ma vie. Enfin... À ton avis, il faudra attendre combien de temps? Parce que si on a ce truc de merde là. Ce truc de merde. Bah, ça, le bar là, je sais pas quoi. Là. Ah. Ouais. Je sais pas si c'est ouvert. T'imagines. Oui. T'imagines si ça marche pas et que ça marche pas du tout? On prendra l'avion. Tu dois passer toutes tes putains de soirées dans ce truc là. Non, bah on prendra l'avion, on laissera tout en plan. On prendra la caisse puis on se barre. Comme on l'a toujours fait. En plus, je peux peut-être négocier des contacts, je sais pas. Hein. Des gens qui servent à quelque chose. Ah bah non, en fait, je peux pas rentrer tout court. Ah oui. Ouais. Oh, y a la même marque de pneus là-bas, quoi. Décidément. Ah oui, oh là là. Ça va être de la mauvaise qualité. Là-bas aussi. Bah, je sais pas. Ça craint, là. Bah non. Des pubs, hein. Ça doit être du bon pneu, ça. Ah oui. Bah y'a la pas tort, parce que si on trouve rien, moi je vais pas rester 15 ans non plus, elle a raison. J'ai même pas où aller. Je me suis trompé.
Oh bordel. J'ai pas d'idée, insiste. J'ai pas d'idée. Ah, moi non plus, malheureusement. Je crois que on va rentrer faire la sieste. Mais je pense aussi, oui. Ouais. Ah, on va pouvoir dormir à poil dans ce grand lit. Oui, bah écoute, tu vas dormir avec quelque chose parce que. On partage le lit. Tu prends pas toute la place. Mais. T'es ma soeur. Oui, bah on sait jamais, hein. Toi, tu prends toute la place et des. Non, mais oh, t'imagines, tu pètes pendant que tu dors. Ça va pas ou quoi? Ça, c'est pas grave. Parce que je te rappelle, à chaque fois que depuis qu'on est gosse, tu prends toujours toute la place dans le lit. Bah, faut est-ce que t'as une chambre pour moi? Non. T'as une chambre pour moi, mais je dors sur le canapé, à poil. Comment ça, à poil? Ça va pas ou quoi? T'as vu comme il fait chaud ou quoi? Oui, bah écoute, mettre la clim. Non, parce qu'après je vais avoir les tétons qui pointent. C'est pas grave. Ah, oh, m'a tué! T'as pas le droit! T'as pas le droit, Yaya! Mais moi aussi ça va pointer. Pointer fort. Ouais, on pointe pas trop fort, écoute. Ah, mais non! Je crois que je pointerai plus fort que toi. Ah oui! Tu penses? Oui, bah moi je peux pointer, j'ai plein de petits jouets aussi. T'as des jouets? Oh oui! Pourquoi tu m'as jamais dit? Tu m'as jamais montré? Ah bah c'est. Écoute, hein, j'avais pas si t'aimais ça. Faudrait que j'essaye. Je te ferai voir! Bon, t'as tout, hein. Désolé, ça part en cacahuète. C'était sûr. T'as les petits canards aussi. Oui, ils font quoi? Quoi? J'ai plein de choses. Non, pleure pas, ça va aller. Je te prends pas tes jouets, promis. Ouf, je vais bien te les prêter si tu veux. Tu sais t'en servir au moins? Ouf. Ah! Là, vous partez en couille, ma grave! Je sais pas si tu sais aussi bien t'en servir que moi, ça m'étonnerait. Arrête! Arrête! Ça suffit, arrête! Ah, tu meurs de moi. Sinon, oh, tu t'énerves, tu vas mettre la fessée ou quoi? Oui, je vais te la mettre la fessée si tu continues. T'oublies que je suis ta grande soeur quand même. Ah oui, bah écoute, on se le demande des fois, hein. C'est moi qui vais te la mettre, ça continue. Oui. Ah, tu portes même pas le même nom que moi. Demi, écoute, demi. Ah oui, bah écoute, hein. Je sais même pas où on habite. Ah, c'est ici. Non, mais je sais pas si la voiture va rester là. Oh, tant pis, on verra bien. Oh là là. Allô, vous êtes sœur? Ouais, mais ouais, ça part en cacahuète, ouais. Ouais. Sœur, ouais. Ah ouais, ils font tout et n'importe quoi. Demi-sœur. Oh putain! Ah! Oh putain, j'y crois pas! Je crois qu'elle avait les clés. Elle a pas les clés? Alors moi j'ai donné les clés. Je croyais que t'avais les clés.
Oh, je n'ai pas trouvé tellement de bordel dans mon sac. Ouf. Bon. Viens, je vais te faire montrer mes jouets. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de moi. Ah oui, attends, allez où, Yaya? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est pas sérieuse. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me mets à l'aise. Oh là 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 là, je te jure, toi t'es bien. Viens voir, je vais te faire montrer un truc. C'est un secret, hein, tu le dis à personne. Ok. Écoute, regardez bien. Tu vois la longue vue? Le bâtiment là-bas en face, il y a deux personnes, bon, je sais pas ce qu'ils font souvent, mais deux mecs super bien baraqués et tout, je te jure, oh là là, ils font des choses des fois. Ouf, je te promets. Mais ils font des choses ensemble? Non, 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 non. Ah, d'accord, ok. Et ouais. Ah bah, ils font du sport, c'est ouh là 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 là. Tu les vois, ils soulèvent ça, ouh là 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 là, ouf. Putain. Bon, fais pas attention aux livres par terre, c'est normal. Ah, c'est quoi ici déjà? Moi, tu vois les éléphants, mes jouets sont cachés là-dedans. Ah, elle va faire la suite. Ah non mais, c'est incroyable, je sais même pas que tu peux faire des pompes ici. Ah ouais? Oh, putain j'ai fait de la merde, j'ai pas dû appuyer. J'ai vraiment pas dû appuyer en fait. J'ai fait le con. Je sais pas où je peux poser mon sac, il commence à me saouler ce sac. Ouf. Attends, je vais te dire ça. Ah, c'est le sac, non, il n'y a pas le truc sac. Ah, tu peux pas l'enlever. Comment ça? Ça peut être quoi? C'était accessoire, non? Attends, collier? Non. J'ai réussi ou pas? Ah, j'ai pas réussi. Ça peut être quoi? Non. Ok. Non. 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 Oh, non. Je vais dormir avec, je crois. On sait jamais. Mmh. Moi non plus j'arrive pas à l'enlever, ça m'agace. Oh putain, merde, mais parce que... Mais chose... Eh hey, c'est des draps de soie, ah, quand bon, même hein. C'est bon. Putain, ouais, tu peux pas enlever le sac, y'a pas un truc genre... accessoire, non? Non, d'accord, c'est pas ça. Options divertes... Non... Bah y'a pas, vraiment. Tu peux pas enlever le sac? Bah, c'est une blague, normalement c'est un sac, tu dois pouvoir quand même. Ah, tu peux pas l'enlever quoi. Ah, tu peux pas l'enlever. Ah, tu peux vraiment pas l'enlever. C'est de la merde en fait. C'est ça, c'est chiant en fait, tu peux pas l'enlever en fait. Il doit y avoir quelque chose, mais... Je sais même pas comment on fait déjà. Ah ! Quoi ? Là, tu peux pas l'enlever, c'est dommage en vrai. Hein. C'est dommage. Non, rien. C'est quoi déjà ? Action, non ? Debout, couché. Ah, faut que je me mette comme ça. Ah!
putain. Oui, t'as pas l'impression que tu prends toute la place là? Coucher sur le dos. On va se mettre comme ça alors. Non. Ok. Ah. Ils sentent bon mes pieds ou pas? Arrête, putain, Kiss, bouge. Si, moi je bouge. Attends. Oui, j'avais un petit problème. Putain, merde. Non. Bah, tant pis, hein, tu me chiens. Moi, je m'en fous, j'ai les roulés des oreillers. Franchement, on est infernal, quoi. C'est... Voilà. Bon. Bonne nuit, Sorette. Bonne nuit. Et tu pètes pas. Ok. Oh là là. Franchement, on est infernal. Infernal. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, on va dire, dans le jeu. Hein. Bon, ça aurait été... voilà, j'espère que vous avez kiffé, vraiment. J'espère que vous avez aimé. On continuera. Après, l'idée du bar et tout, ça peut être intéressant, mais il faut qu'il y ait du monde, en fait. Il faut qu'il y ait du monde qui joue le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a bien rigolé. Bon, vous inquiétez pas, à mon avis... Je connais une qui va faire des clips. Il y a eu des conneries, hein, voilà. Comme quoi, il nous faut pas grand-chose pour s'éclater. Donc, au revoir, Flamme. Au revoir. Oui, Kiss. Démute-toi, Yaya, démute-toi. Je vais me démuter sur Discord. Oui, grave, merci, mais de rien. Je vais me démuter. Voilà, je suis démuté. Oui, il y a pas grand... Oui, bah en fait, il y a du monde sur le serve, en fait, Utini, mais les gens, ils sont un peu dans leur coin, tu vois. Donc, c'est ça le problème. C'est ce qui est un peu casse-couille. Donc voilà. Par contre, j'espère qu'on va pas entendre zouter sur ton live, hein, parce que... Ah, je sais pas, du coup. Voilà, mais monsieur, vous avez Yaya ici présente, hein, vous avez vu. Bon, ta soeur a apprécié les conneries, a priori. Hein. Ah, mais tant mieux, mais de toute façon, on a trop rigolé. Même avec le petit, c'était marrant à un moment donné aussi. Ouais, à part juste que c'est un staff qui sort une arme comme ça, moi, ça me casse un peu les couilles. Pourquoi? Bah, tu vois, c'est... Tu sors pas une arme comme ça, quoi, tu vois, c'est un peu... Voilà, quoi, je trouve pas ça ouf, moi. Ouais. Après la meuf là, je pense qu'elle était mal réveillée. Allez, j'étais prêt à me chauffer, mais je dis non, je suis pas un gang, je l'aurais démonté. Non, ça là. Va, ça reste correct. Moi, à partir du moment où ça rentre pas dans les CV, dans les assises de pute et tout, ouais. Ça passe. Tu vois, après Moru, bon, ça va, tu vois. Ouais, bon, disons qu'il y a pire en fait. Ouais. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous avez tous bien kiffé. Hein. Donc voilà, donc vous avez vu l'idée là, un peu des personnages. Après l'idée du bar, ça peut être intéressant, mais faut voir, parce que s'il y a personne, ça va être casse-couille. J'ai pas envie de faire un dossier pour rien, clairement. C'est ça. Voilà. Surtout si j'en ai un de mon PC, je ferai un copier-coller. Mais à mon avis, je crois que je l'ai pas sur ce store-là, donc ça fait chier. Voilà. Parce qu'en plus, il y a Nova qui est chaud, et ailleurs en plus, je sais pas si tu l'as vu. Nova. Non. Si, il est... Ah bon ? Ouais, il est chaud, il m'a demandé le Discord, du serveur et tout. Genre, il est chaud pour venir dans le bar, il a dit. Tu vois. Oh, ok, mais de toute façon, moi, si je peux jouer le soir, ça va être que ce week-end, tu vois. Mais dimanche, ouais, c'est mort, et après, toute la semaine, c'est dead, les gars. Après, s'il peut avoir un peu de monde l'après-midi, on jouera l'après-midi, tu sais que je ferai un effort de venir l'après-midi, c'est pas le problème. Tu vois. Ouais. Donc, tu fais un effort de venir le soir, je fais un effort aussi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé Kiss. voilà. Donc, ouf. Ouf, oh là là, ouf. En tout cas, Yaya, tu... Je sais pas si t'étais sur le live ou quoi, mais tu m'as plié de rire à plusieurs fois et j'étais pas bien. Alors, moi, tu crois quoi? Excuse-moi, mais. Ah ouais, tu m'as tué quoi. Je pense que t'as. Je pense... Bah, il y en a, ils ont kiffé. Lutini, elle a kiffé. Ta sœur, elle a kiffé aussi. Tout le monde a kiffé. Ils étaient tous morts de rire, donc c'est bien. Voilà, clairement. Donc, merci en plus, Yaya, pour le raid en plus. Donc, je te laisse le mot de la fin sur mon stream. Tu as le contrôle. Oh non, j'aime pas ça, tu sais très bien. Allez, vas-y. C'est ton live. Non, fais un truc, vas-y, t'as pas le choix. C'est moi qui commande, non? Alors, j'ai pas envie de ruiner ton live, donc... Comment ça, mais genre tu vas ruiner mon live? Écoute-moi, quoi. Quoi? Ah, ça en va, Jessica?
A plus, quand il y avait 5 mars, t'as tourné à plus tard. Bon, on va pas donner le mot de la fin, donc en tout cas, merci à tous. Et peut-être à ce soir, tard, ça dépend à quelle heure je vais rentrer, malheureusement, du foot. Et si c'est pas ce soir, ça sera demain. Et on verra ce que l'on fera. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, enfin une agréable journée. Putain, je suis en décalé à chaque fois, quoi. Voilà. T'as des choses à dire, Yaya, à tout ce monde, à tous ces fans. Bonne journée, et à plus tard. Bisous. Ouf. Au revoir. Ouf. Bisous de kiss. Au revoir la communauté. Ouf.